Seria difficile et des parla de la vida de Virgile Barrel, un doux minuta. Mais il est intéressant de parler de la jeunesse de cet élu communiste afin d'avoir une autre image de notre région. Une image est bien loin de la carte apostale. Né à Drape, fils d'un artisan bourrelier, Virgile Barrel garde de son enfance le froid qui sévissait dans la vallée du Paillon. Une fray des camps, une fraye à Esclapaliauri à Koumassidi, Et enfin, Kala Kadamatin, tout à la valade des Paillons en bicyclette, Perana l'école à Nice et un loup-quartier riquier. En effet, Virgile Barrel rallie Nice à vélo tous les matins pour aller à l'école Saint-Vincent de Paul à Nice. Dans ses mémoires, lorsqu'il décrit le paysage situé entre le quartier de Bon Voyage et la Trinité, on croit être dans un autre monde. L'Iera Rendo Tute. C'était simplement un grand pré, sans aucune habitation, fréquenté quelquefois par des bandits de grands chemin. Et à Via Talamempo à Caupichou, il était si effrayé qu'il a avoué, lui, le communiste, faire le signe de la croix avant de traverser ce désert aujourd'hui submergé d'immeubles. Mais ses origines modestes ne l'empêchent pas de décrocher son diplôme d'instituteur et au premier poste sera en lavalade à de La Roya. Il débutera sa carrière à Bray, où il se rend tous les dimanches soir à bicyclette et drape Bray en bicyclette. Où avait la fourme à sa baisse. Là-haut, il crée une coopérative pour que les enfants pauvres puissent avoir des fournitures. Il refusera même les heures supplémentaires que payent les parents à l'époque, car son but est que chacun puisse suivre les études du soir. Et si Paul dire est qu'élu enfants enfant sont à l'origine de la sioux carrière militante. Un peu plus tard, il participe à la création du Parti communiste et sera élu en 1936. Député de la Nation. Matré en plus tard, il sera l'époque à la maille nègre de la Ciouvide. Il sera arrêté et emprisonné par la police de Vichy et son fils sera tué par les hommes de Klaus Barbie dans des conditions horribles. À la Libération, va devenir mère. Et eh oui, il devient maire de Nice par intérim, puis président du département. Alors, bien sûr, Barrel avia pas sous la main d'Ami, et ses adversaires lui reprochèrent quelquefois son dogmatisme, mais sa simplicité et son honnêteté lui ont attiré le respect même chez ses adversaires comme Jacques Médecin. Virgile Barrel nous a quittés en 1979, juste avant le déclin du communisme, un idéal pour lequel il se bâtit toute sa vie.